de bouger. On est là plus abusé. On est là plus envahié. La police ne va pas plus arrêter. C'est juste le matin pour nous travailler. Il y a beaucoup de petits coups. Fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, on l'a fait pour moi. Récupérer la petite. Embrasser la petite. Ah bon? Si tu choses de ma tournée en fer, aujourd'hui tu vas trouver ta peinture. Choisis ton couloir, oh my god. Choisis ta petite, imagine-la avec appétit. Et si tout le monde te dit que tu n'aimes pas le petit, le but en plus l'air. Aujourd'hui c'est la finale. Mais avant de la coller, attends avant mon signal. Récupère la petite, embrouiller la petite, embrasser la petite, et maintenant coller la petite. Donc Gérard Rouillet a sorti un livre et il dit dans son livre que mes frères voulaient me vendre au plus offrant et que c'était la seule fois de sa vie qu'il avait vu des Noirs rougir. Caractère raciste, mais ce n'est pas la première fois et je vous expliquerai pourquoi ensuite. J'ai trouvé un accord, je voulais signer, les fans voulaient que je signe, le président voulait que je signe, les joueurs voulaient que je signe, mais toi tu avais autre chose en tête. Donc, après, il y a eu la rumeur d'Arsenal. Oui, effectivement. Arsenal a vu que tu ne prenais pas position sur mon transfert. Donc, ils se sont renseignés. Donc, on a commencé à parler avec Arsène. Tu peux lui demander, il est français, tu es français, je suis français. Nous sommes français. Que s'est-il passé quand tu étais à Liverpool? J'espère que tu l'écris dans ton bouquin, ça aussi. Que s'est-il passé quand tu étais à Liverpool et que tous les joueurs anglais et étrangers voulaient re-signer? Tu les as fait re-signer avec réévaluation sur leur contrat. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Noirs, les gens de couleur noire, comme moi, sont venus dans le bureau? Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne l'as pas marqué dans le bouquin, ça? Bon, tes mots. Non, vous, les Noirs, quand on vous donne de l'argent, vous foutez plus rien. Ce sont tes mots, Gérard. Tu veux parler sur moi? Alors que je suis tranquille à l'autre bout de la terre? Ah, voilà. Ça va retomber sur toi, cette connerie. Tant pis pour toi. C'est pas la première fois. Eh oui, tu le sais très bien. C'est bête. Tu veux parler sur moi alors que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Je sais tout. J'ai des trucs sur toi. J'ai vécu dans votre QG, dans votre maison mère pendant 3 ans, de 12 ans à 15 ans. Clairefontaine, je sais comment vous réagissez. Je sais comment vous pensez. Je sais comment vous réfléchissez. Et c'est toujours la même chose. C'est pour ça que vous avez autant de problèmes avec la nouvelle génération, avec ce qui s'est passé en équipe de France. C'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai aucun feeling pour votre maillot. Parce que je sais comment vous pensez. Je sais comment vous allez réagir à l'avance. J'ai été marqué, oui, quand j'avais 12 ans. De 12 ans à 15 ans, je vous ai dit. Je suis resté dans votre QG. Pendant 3 ans, j'ai vu comment vous réagissiez. J'ai vu comment vous réfléchissez. J'ai vu comment vous parlez. Pratiquement pour 90% des gens qui sont... qui travaille à Clairefontaine, les DTN, vous parlez comme ça. Et pour vous, c'est normal. Donc les Noirs, quand ils ont trop d'argent, ils foutent plus rien. Salut, c'est Nicolas Nkoulou. Suivez Samedi Sport sur Canal 2.